Salut à tous! Salut! Les Raspberry Pi, ça vaut une fortune. Ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant que soit ils sont plus en stock, soit ils sont hyper chers. Bref, c'est l'enfer. On vous avait proposé quelques petits projets avec des ESP32 pour vous amuser quand même avec des produits à bas coût et pouvoir faire de l'électronique, de l'automatisation, de l'informatique, etc. Mais on a eu une nouvelle idée avec Artus qui est vraiment, vraiment très très cool. Quand il s'agit de projets un peu plus gros, et ben il faut un petit peu plus de puissance. Ouais, beaucoup plus. Et comme toujours avec les frères Poulain, on vient un peu après la bataille parce que les Raspberry Pi sont en train de retrouver... Je dis rien là, on est dans l'air du temps mec, c'est bon. Mais avec une box Android TV qu'on va pouvoir hacker et qui est disponible entre 25 et 35 euros sur Amazon, on va pouvoir contourner tout le système et installer un Linux dessus pour pouvoir y mettre, et bah, par exemple, Home Assistant. On a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais tous les composants qu'on achète maintenant, on se prend plus la tête. Avant, on programmait des cartes qui faisaient des fonctions bien spécifiques, etc. Mais ça revient tellement moins cher maintenant d'avoir vraiment une carte mère, un CPU, de la RAM et un noyau Linux. On devrait pouvoir récupérer ces boîtes-là, ces box-là qui sont produites en archimasse et donc à très bas coût pour pouvoir effacer ce que les constructeurs ont mis dessus et y mettre nos propres systèmes, nos propres besoins. Nos propres systèmes open source par exemple. Alors ne vous méprenez pas, hein, ça a pas la puissance des derniers Raspberry Pi, mais en théorie, ces boxes-là, elles font tourner un système déjà avec Netflix, etc. Donc on a largement suffisamment de puissance pour y installer par exemple un système centralisé domotique comme Home Assistant, ou carrément un média serveur qui va nous permettre de lire nos vidéos à distance. Bah attends, tu dis pas aussi puissant, bah, c'est presque un Raspberry Pi 3 déjà. C'est entre le Raspberry Pi 2 et le Raspberry Pi 3, mais de toute façon, on va pouvoir effectuer des tests parce qu'on va mettre Linux dessus et on va pouvoir voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. C'est parti. Allô ? Ça va ? Dépêche-toi, je suis en vacances, moi. Bon, je te dérange pas plus, hein, entre deux lacs des Pyrénées. Mais honnêtement, il nous reste quoi ? Allez, 100, 150 t-shirts. On devrait faire du merchandising. Bah, il faut utiliser Odoo. Odoo ? Bah oui, mon gars. Ah non, je connais pas. Alors, Odoo, c'est une solution pour les entreprises et pour les particuliers. C'est hyper rapide, hyper simple. Ça te permet de tout gérer, de la facturation à la création de sites internet, à la gestion de fiches de paye. Et tu gères tout. En gros, ça rend la gestion de projet d'entreprise ou de projet perso plus simple, plus fluide et plus rapide, quoi. Ok. Bah, tu sais quoi, je vais regarder ça direct. C'est tout sur une seule interface. Trop bien. Allez, bonnes vacances. Allez, salut. On est bien, là, quand même, hein. J'entends les vaches. Si vous n'avez pas compris, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Odoo. Alors nous, aujourd'hui, on va parler du configurateur de site internet qui est vraiment ultra simple, ultra rapide et ultra efficace. Ça va vous permettre de créer votre site internet professionnel en seulement 4 étapes. Vous choisissez votre objectif, vous pouvez ensuite personnaliser les couleurs. Vous avez aussi la possibilité de choisir votre logo. Ensuite, vous pouvez ajouter le nombre de pages que vous voulez. Il y a vraiment tout un système avec des thèmes qui permet tout simplement de simplifier la configuration de votre site internet. Alors en plus, il y a des fonctionnalités qui sont hyper intéressantes et hyper intuitives comme le glisser-déposer. Ça allie vraiment la simplicité et la personnalisation. Mais vous pouvez rajouter tout un tas d'autres contenus, comme par exemple des vidéos, du texte, des liens, vous pouvez modifier les typographies. Et puis en plus, on vous en parlait en début de vidéo, il y a totalement la possibilité, par exemple, d'intégrer la plateforme e-commerce d'Odoo et donc d'avoir un site de e-commerce pour vendre vos produits. Vous avez donc la première application qui est offerte, ce qui veut donc dire que si vous choisissez la création de site internet, eh bien vous avez la possibilité de le créer gratuitement. Et l'hébergement et le support sont offerts en illimité. Vous avez également la possibilité d'avoir un nom de domaine personnalisé offert pendant un an. Bref, vous l'aurez compris, Odoo, c'est vraiment l'outil incontournable pour tous vos projets, que vous soyez un particulier ou un professionnel. Si vous êtes désireux de créer votre site internet de manière rapide, simple et efficace, c'est vraiment un outil à privilégier. Retrouvez toutes les informations en lien dans la description. Et que vous soyez au début de la création ou déjà en cours de route, Odoo vous accompagne à toutes les étapes de votre projet. Merci Odoo, la suite de la vidéo. Bon, alors ces petites box, c'est génial parce qu'elles sont pas chères, qu'elles décodent de la 4K à 60 FPS, etc. Mais mine de rien, elles sont souvent fournies sous Android et un Android bourré de malware. Il y a plein de chaînes YouTube américaines qui sont spécialisées là-dedans, qui ont fait plein de tests et donc on vous déconseille bien évidemment de les utiliser en l'état. C'est pour ça que la première chose qu'on va faire, c'est la mettre dans le bureau, la hacker tout de suite et y entrer tout le système qu'on veut mettre nous à la place de ce qu'il y a déjà dedans. C'est parti.
Bon, en réalité, on va pas vraiment hacker ces box. Qu'est-ce qui est important et pourquoi on va pouvoir installer Linux dessus? Et bah parce que celle qu'on a choisie avec Baptiste est équipée d'une puce de chez Rockchip. En l'occurrence ici, c'est une puce 3318. Et ces puces-là, eh bien, il y a une partie des sources qui a été mise à disposition par Rockchip, ce qui a permis de développer des Linux qui marchent bien et qui profitent pleinement de la puissance de la puce. En réalité, les puces qui sont intégrées dans ces box-là, elles vont chercher divers périphériques de démarrage. Évidemment, comme il n'y en a aucun autre que la puce interne, ça démarre sur Android. Mais si on vient mettre une carte SD avec le bon fichier, la puce va d'abord démarrer sur le système qu'on aura installé au préalable dans la carte SD. Et à partir de là, on pourra supprimer la couche Android et démarrer sur un Linux. Donc pour démarrer sur Linux, en fait, on va utiliser ARMBian et plus spécifiquement une partie maintenue par la communauté sur leur forum dédiée aux box 3318 ou 3328. Toutes les informations sont en lien dans la description. C'est vraiment pas très compliqué et nous, ce qu'on va faire, c'est suivre les grandes lignes pour vous montrer comment on a fait. J'ai mis une image qui permet d'effacer la mémoire interne de la box sur une carte micro SD. J'ai inséré la carte micro SD dans la box et je l'ai allumée. Et on remarque tout de suite qu'on ne démarre plus sur Android, mais bien sur le système qui va nous permettre de supprimer la mémoire interne. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on la supprime. On fait donc étape numéro 3. On choisit ici encore une fois la mémoire interne. Ça y est, c'est effacé. Donc là, c'est le moment où on va mettre ARMBian sur la carte micro SD. Par contre, à partir de là, faut que je vous prévienne, le fonctionnement peut différer chez vous. En réalité, ces box, elles sont certes pas chères, mais en fait, il y a plein de constructeurs et elles sont toutes un petit peu différentes. Donc, n'hésitez pas un petit peu à essayer et à bien suivre les étapes, et puis surtout à vous renseigner sur le forum, puisqu'il y a autant de box disponibles qu'il y a de personnes qui ont essayé de faire marcher Linux sur ces box-là. On utilise la X88 Pro 10. J'en ai déjà utilisé une il y a un an, ça marchait, et ça fonctionne encore maintenant. La seule différence, c'est que les dernières images n'ont pas de sortie HDMI fonctionnelle, donc j'utilise une version légèrement plus ancienne avec l'affichage vidéo qui est fonctionnel. De toute façon, là encore, vous avez tous les liens dans la description. Alors, je vous le disais tout à l'heure, il y a un problème de virus sur de nombreuses boxes de ce type, et pour le coup, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a supprimé Android, donc on est tranquille de ce côté-là. Mais on pourrait également avoir un problème de code malicieux à plus bas niveau, c'est-à-dire au niveau du bootloader, qui permet à la puce d'aller rechercher où est-ce qu'elle peut démarrer et faire booter l'ensemble de la box. Et bien ça, c'est pas dépendant de l'OS, hein, à savoir Android qu'il y avait avant, et on l'a supprimé également. Donc là, techniquement, on ne devrait plus pouvoir rencontrer de problème de code malicieux, que ce soit au niveau bootloader ou au niveau logiciel. Et il existe aussi, il y a encore des étapes de démarrage, mais qui se gèrent au niveau constructeur, donc on ne peut pas y toucher et normalement c'est pas touché par des personnes tierces. J'ai donc installé ARMBian sur la carte SD, je l'ai inséré, j'ai démarré la box et on voit bien ici sur l'écran qu'on a bien Linux qui est en train de démarrer. Donc là, la première chose qu'il demande, c'est de créer un mot de passe pour le super utilisateur, l'utilisateur root. Ensuite, il nous demande un nom d'utilisateur qui n'est pas un super utilisateur et il nous demande un mot de passe. Et là, normalement, c'était la dernière étape avant le démarrage de l'environnement bureau de ARMBian. Donc on va attendre quelques secondes, quelques minutes et on devrait se retrouver sur un bureau Linux. Comme on utilise une sous-distribution de ARMBian qui est spécifique à cette puce-là, on va avoir une première commande à rentrer qui va nous permettre de configurer les paramètres du système en fonction de notre matériel. Donc pour ça, on se retrouve dans le menu en haut à gauche et on fait Terminal Emulator. Ensuite, lorsque la fenêtre s'ouvre, on vient mettre sudo. Donc qui nous permet d'être un utilisateur administrateur et on vient faire rk3318-config et ça va démarrer l'utilitaire de configuration de la box. Donc on suit toutes les étapes, on choisit le bon processeur. Ensuite ici on peut choisir le type de mémoire disponible. Moi je laisse par défaut donc je ne coche aucune case, je continue. Et ensuite là on va avoir quelque chose qui est très intéressant qui va nous permettre de choisir les configurations de notre box. En l'occurrence je vous l'ai dit, on avait une X88 Pro. Donc on l'a choisi, là-dessus il nous dit de redémarrer le périphérique. Donc pour redémarrer c'est sudo reboot. La box a redémarré et avec la configuration qu'on a fait auparavant, on va voir si maintenant on arrive à avoir du Wi-Fi. On voit que, on a nos réseaux Wi-Fi qui sont disponibles. Donc je vais pouvoir choisir un réseau Wi-Fi et taper mon mot de passe. Donc ça y est, ça marche, on a Internet, on n'a plus Android et on peut carrément démarrer un navigateur sur Linux. Par contre, vous avez remarqué que c'est plutôt lent. Et en fait, il y a plusieurs raisons.
La première raison, c'est bien évidemment que le Rockchip 3318, c'est une vieille puce. Donc forcément, les performances vont s'en ressentir. La deuxième raison, c'est aussi que le 3318 n'est que la version défectueuse du 3328. Et les procédés de gravure de silicium sont parfois défectueux. Mais ces morceaux de silicium-là défectueux, on peut les récupérer en les sous-cadençant. C'est-à-dire que comme ils sont moins bien gravés, ils vont souvent beaucoup plus chauffer. Et donc quand on diminue leur fréquence, ils vont parfaitement bien fonctionner en gardant une température à peu près correcte. Ce qui nous mène au troisième problème, comme on a un 3318 dans cette box Android, elle va diminuer sa fréquence pour essayer de moins chauffer. Et donc on va avoir une vitesse qui est ralentie. Ce que nous on peut faire par contre, c'est que pour que ce 3318 soit à peu près aussi rapide qu'un 3328, c'est tout simplement ouvrir la boîte et le laisser à l'air libre. Avec Artus, on a acheté ce petit boîtier là, le T9, qui est un 3328, donc il coûte un tout petit peu plus cher. Et pour le coup, bah, on n'a pas ces problématiques là, puisque le CPU, c'est la bonne version qui est déjà sortie d'usine de manière parfaitement fonctionnelle. On a eu des problèmes pour l'installer, mais en théorie, vous devriez pouvoir le faire. C'est juste qu'il faut y passer un petit peu plus de temps et se casser la tête, mais voilà, c'est une possibilité. Bon alors on a démonté les deux box et on a eu de sacrées surprises. Sur celle qu'on va utiliser, la X88 Pro 10 hein, qu'on a eu à 34€, et c'était simplement un sticker qui était placé sur le dessus avec une petite armature en plastique pour tenir le tout. Donc juste en retirant le sticker, on peut exploser comme ça le ventirad du processeur et ça sera déjà suffisant. En réalité, on a déjà fait des tests avec Baptiste. Avec le cache processeur, on montait jusqu'à 80 degrés et lorsqu'on a retiré le cache, sur les mêmes tests, on était entre 50 et 60 degrés. Donc il y a un vrai gain. Après, sur la durée, on commençait à s'approcher des 80 degrés. Mais bon, vous, sur cette forme-là, si ça vous intéresse et que vous voulez encore pousser le délire, vous pouvez y mettre un petit ventilateur. Pour l'autre box, la T9, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'on a ici une petite plaque de métal avec ici un pad thermique qui vient faire contact avec le ventirad du processeur. Donc ici, on est sur un 3328 et en plus, on a un meilleur refroidissement. Par contre, cette box-là nous a coûté encore plus cher. Ça commence, je trouve, à être moins intéressant. Alors que là, pour 34€, et j'ai déjà vu en promotion à 25€, ça peut être une très très bonne affaire. Ce qui est super chouette avec ARM Bian, c'est qu'on va avoir un utilitaire qui va nous permettre de nous mâcher le travail pour l'installation ou la désinstallation de plein d'utilitaires système. Ce petit logiciel, il s'appelle ARM Bian Config et on peut le lancer directement à distance avec la commande sudo armbian-config. Et on accède à la configuration d'ARM Bian. La première des choses à faire, c'est que moi, au niveau du système, comme je vous dis, on va pas utiliser le bureau. Et mine de rien, comme on a une sortie sur l'HDMI et qu'on a une interface graphique à gérer, ça vient utiliser un petit peu de CPU, un petit peu de mémoire RAM. Donc on le désactive. Et enfin, la dernière chose qui nous intéresse le plus dans la configuration d'ARM Bian, c'est Softy. C'est un utilitaire qui va nous permettre d'installer divers composants. Par exemple, ici, on voit qu'on peut déjà installer Home Assistant ou même Plex. Mais ça va pas nous intéresser de le faire au travers de cette interface. Tout simplement parce que pour nous, ça n'a marché qu'une seule fois sur deux. Et puis, on a Docker. Et Docker va nous permettre vraiment de centraliser l'installation de toutes ces applications. Je m'explique. Là, quand on va installer Plex, ça va être un utilitaire classique, comme lorsque vous installez un logiciel sur votre ordinateur. Ça va mettre des fichiers dans le disque, ça va vous créer des répertoires dans votre bureau, etc. Et nous, on n'a pas d'environnement graphique, on n'a pas de bureau, donc c'est vraiment pas pratique. C'est-à-dire que le jour où vous faites une mauvaise manipulation, vous risquez de tout perdre. Alors qu'avec Docker, quand vous allez installer Home Assistant, elle va pas s'installer dans votre système. Elle va s'installer dans un container. C'est-à-dire que tout va être regroupé en un seul et même endroit. Donc le jour où vous voulez désinstaller Home Assistant, il n'y a pas de commande désinstaller. Vous supprimez le container et ça disparaît tout bonnement et tout simplement de votre système comme si ça avait jamais été là auparavant. Et c'est ultra pratique. Donc on choisit Docker avec la barre d'espace et on installe. Donc maintenant que Docker est installé, on a tout le système qui nous permet de gérer des containers. Mais je trouve pas ça très digeste de faire ça en ligne de commande. Pour ça, on va installer un premier container et c'est ce premier container qui nous permettra de gérer les autres. Ce container, il s'appelle Portener et vous avez toutes les informations en lien dans la description. Et on va vraiment très simplement suivre les étapes qui sont indiquées sur leur site. Ça se fait en deux lignes de code. La première, c'est de créer un volume dans lequel il y aura les données de Portener. Et la deuxième, c'est la commande qui nous permet de lancer le container avec tous les bons paramètres pour qu'il puisse fonctionner. Une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à se retrouver sur l'adresse dans notre navigateur internet. Donc on avait notre adresse IP, c'est 10.0.1.37. Et le port de Portener, c'est 9443. Donc il va nous demander en premier lieu de créer un compte. Donc on met un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et on se retrouve sur l'interface de Portener.
Donc on a Docker, on a Portainer, et maintenant il faut installer Home Assistant. Et nous, en fait, on va utiliser les templates qui sont disponibles sur le site pi-hosted.com et vous avez tous les liens dans la description. C'est d'ailleurs des templates qui sont utilisés, et si je ne dis pas de bêtises, qui ont été créés par un YouTuber qui s'appelle Nova Spirit. Donc on va récupérer ici le lien du template pour ARM, on copie, et là on va dans les paramètres de Portainer, et on peut choisir ici l'URL de nos templates. Donc là, évidemment, je mets la bonne adresse. Et normalement, maintenant, quand on va là dans le coin de l'écran, on va avoir une liste d'applications qu'on va pouvoir installer en un seul claquement de doigts. Donc là, on voit qu'il y en a vraiment énormément. On va chercher Home Assistant ici. On voit qu'il existe. On clique dessus. Et là, tout ce qu'on va avoir à faire, c'est nommer notre container, donc Home Assistant, et le déployer. Maintenant, on voit qu'on a donc dans notre interface notre premier container Portainer. Et enfin, notre deuxième container Home Assistant qui est accessible ici depuis l'adresse 8999. Donc si j'ouvre un nouvel onglet et que je vais sur l'adresse de notre box, puis du port de Home Assistant, ça y est, on se retrouve dans Home Assistant qui se retrouve sur notre petite box à 30€. Donc là, en théorie, si je vais dans les paramètres et que je viens ajouter un appareil, on va rajouter là le striplet qui est disponible juste ici. Et voilà, ça y est, on peut donc contrôler notre strip LED au travers du Home Assistant qui tourne sur notre box à 30€. Pour terminer, il faut savoir qu'avec Artus, en préparant cette vidéo, on s'était vraiment creusé la tête. On s'est dit, est-ce que vraiment ça vaut le coup de s'embêter à hacker une box comme ça, qui est pas chère, pour la comparer à un Raspberry Pi et y installer des systèmes comparables à un Raspberry Pi. Et on a pu tester tout ça en effectuant des Geekbench, qui sont des moyens de vérifier un peu les performances et de comparer les cartes entre elles. En l'occurrence, quand la box était totalement native et fermée, on avait un score de 170 points. Et maintenant, avec l'ouverture, on est à 282. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant, puisque le fameux 3328, hein, le CPU qui vaut plus cher et qui n'est pas défectueux, lui monte à 351. Donc on s'est vraiment approché de cette valeur-là, on n'est pas loin du tout, et un Raspberry Pi 3, auquel on a comparé aussi les résultats, eh bien on est à 313 en multicore, ce qui veut donc dire que, vu que le Raspberry Pi 3 est le modèle recommandé par Home Assistant pour pouvoir débuter en domotique et avoir un système qui fonctionne très bien, eh bien on en est très très proche, donc il n'y a vraiment aucun problème, on peut faire fonctionner toute une box domotique avec toutes les ramifications complexes de Home Assistant, avec les automatisations, les scénarios, etc. Sur cette box-là. Et il faut savoir aussi que pendant un an, Artus a testé ce système-là chez quelqu'un et qu'il n'y a jamais eu un seul problème. Et donc encore aujourd'hui, là, pendant que je vous parle, il y a toute une maison, tout un appartement qui fonctionne sur cette box domotique de manière parfaitement fluide. Donc vraiment, vous auriez tort de vous en priver. Voilà, on espère que vous aurez envie de mettre les mains dans le cambouis et de tester tout ça, parce que c'est aussi un excellent moyen de débuter en domotique pour pas cher. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres, les amis. On vous embrasse, à la prochaine. Ciao, ciao. Alors, ne vous méprenez pas. Ne vous méprenez pas. Ne vous étrônez pas. Voilà. Alors ça, c'est voilà.